Suspense, sang, liaison dangereuse, l'univers de Bromance réunit tous les ingrédients d'un bon thriller américain. Et pourtant, cette web-série a été imaginée et réalisée dans le lycée agricole d'Yvetot, loin, très loin des campus californiens. À l'origine de ce projet, Kevin, l'un des assistants d'éducation de l'établissement. Lou, t'arrives après et tu fais la surprise. Lou, Paul, Rémi et Firmin sont eux lycéens. Sous la direction de Kevin, ils ont découvert un nouvel univers. Je suis souvent en tant qu'acteur et aussi en caméraman. Et ça va, c'est plaisant. Du plaisir et de l'ambition, coup de maître du jeune réalisateur, la présence dans son casting de la star du catch français, Flash Gordon. C'est un acteur formidable. Là-dessus, parfois il ferait même presque peur dans son rôle. Nous avons décidé de mettre un terme à votre contrat. On n'a pas pris Flash pour prendre sa communauté, mais forcément que sa communauté de fans va, je pense, s'intéresser à la série, oui. Ça va être bénéfique. Côté scénario, Bromance tente l'audacieux pari de mêler histoire réelle et meurtre en série. Mon personnage, qu'est-ce qui lui arrive ? C'est le... qui me tue dès le départ de la série, dès le premier épisode. Non, nous ne dévoilerons pas le nom du meurtrier, mais celui du complice de cette web-série, Éric Lothiot, le proviseur du lycée. Le lycée agricole est ouvert sur le monde rural, sur le monde extérieur, hein, et les initiatives, justement, on essaie de les favoriser un maximum. L'épisode 1 sera disponible dès ce week-end sur YouTube. Nos jeunes cinéastes souhaitent en proposer un par semaine et espèrent conquérir des milliers d'internautes. Le bruit des...